Matthieu chapitre 5, nous continuons à prier avec Matthieu chapitre 5, verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Quand Dieu t'a allumé, quand Dieu t'a créé là, Dieu ne t'a pas mis sous le boisseau. Le boisseau, c'est une table. Imagine un peu quelqu'un qui allume une lampe et puis qui la met sous la table. Que Dieu ne t'a pas créé pour te cacher. C'est ce que Dieu est en train de te dire. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Non. Donc Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois caché. Mais c'est quelqu'un qui te cache. Ici, ce verset 15 a fait ressortir une attaque sur la lumière de quelqu'un. Une attaque contre ta lumière. Quand Moïse est né, ses parents l'ont caché pendant 3 mois. Dieu voulait qu'il soit vu. Ils l'ont caché. Quand il était visible, est-ce qu'ils l'ont tué? Non. Dieu avait son plan. Pendant 3 mois, ils ont caché l'enfant. Dieu dit non. Il ne peut pas rester caché. Ils ont mis l'enfant sous le boisseau. Ils avaient une bonne intention, mais ça ne collait pas avec le plan de Dieu. Le boisseau ici, c'est une attaque contre ta lumière. Une attaque contre quoi? Contre ta lumière. 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 1, Samuel est arrivé chez Isaïe, le Bethlémite, pour choisir celui qui allait remplacer Saül. Il a dit à Isaïe d'envoyer tous ses fils. Ça a été clair. Tous tes fils. Mais qu'est-ce qu'Isaïe a fait? Il a mis David sous le boisseau. Il n'a pas fait appeler David. Il a présenté ceux qu'il a choisis. Mais il a mis David sous le boisseau. Dieu avait allumé David. Et c'était le temps pour David. Mais son père, son propre père, l'a mis sous le boisseau. Ce n'est pas un étranger qui a mis David sous le boisseau. C'est son propre père qui l'a mis au monde. La Bible dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Je crois que c'est Matthieu chapitre 10, verset 36. Non, si j'ai bonne mémoire. Tu fais des affaires. Ça ne marche pas. Quelqu'un est en train d'attaquer ta lumière. Ton business était mis sous le boisseau. Tu fais le ministère, ça n'avance pas. Ton ministère était mis sous le boisseau. Tu tombes malade de manière répétitive. Ta santé était mise sous le boisseau. Mais nous sommes là pour prier. Donc les gens de ta maison peuvent être tes amis. Mais les gens de la maison peuvent aussi être tes ennemis. C'est la réalité. L'ancien te dit que ton papa est sorcier. Il ne faut pas te fâcher. Ton papa est sorcier, il est sorcier. Tu avais quoi? Après, c'est le conseil quand tu donnes la suite. Là, c'est ce qui est important. Tu n'arrives pas à te marier. Tu es prêt à te marier. Tu remplis les conditions physiques. Tout ce qu'il faut pour te marier. Mais tu n'arrives pas à te marier. Quelqu'un a mis ton mariage sous le boisseau. Tu es intelligent, tu n'es pas allé loin dans les études. Quelqu'un a mis ton intelligence, tes études sous le boisseau. La mort prématurée frappe dans votre famille. Quelqu'un a mis votre vie sous le boisseau. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre. Donc, la parole de Dieu ne veut pas qu'on te mette sous le boisseau. C'est pourquoi nous allons prier. Seigneur, en cette année 2024, toute arme forgée contre ma lumière, elle est sans effet au nom de Jésus. Tu as déposé ton dossier quelque part. Et puis, celui qui signe les accords, demande qu'on lui envoie la pile de dossier. Et puis toi, ton dossier, en principe, il est premier. C'est pas ça. Donc, il est en haut. Maintenant, dans l'entreprise où tu as déposé ton dossier, là, quelqu'un est contre toi. Il a reconnu ton nom. Il a reconnu ta photo. Et puis, il est contre toi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ton dossier, il va le mettre en dessous. Il connaît son patron. Pendant ce temps, toi, tu es en train d'attendre. Toi, tu attends, mais pourquoi depuis? Quelqu'un a mis ton dossier sous le boisseau. Je veux prier pour toi. Quiconque a mis ton dossier sous le boisseau, je vais reprendre ton dossier et le mettre au-dessus au nom de Jésus-Christ. Toute arme forgée contre ta lumière en cette année est sans effet. Amen. Toute arme forgée contre ta guérison est sans effet. Amen. Toute arme forgée contre ta progression est sans effet. Toute âme, tout boisseau qui était taillé pour toi, pour cacher ta lumière, est brisé au nom de Jésus-Christ. Tout boisseau qui était taillé pour toi, pour cacher ta lumière, est brisé au nom de Jésus-Christ. Toute âme forgée contre le succès de tes affaires est brisée au nom de Jésus-Christ, est sans effet au nom de Jésus-Christ. Cette année 2024, quiconque veut cacher ton dossier, il échoue au nom de Jésus-Christ. Toute âme forgée contre l'éducation de tes enfants est sans effet. Toute âme forgée contre le succès de tes enfants est sans effet. Toute âme forgée contre la paix dans ton mariage est sans effet. Toute âme forgée contre ta vie de prière, ta vie de jeûne, ta vie d'études publiques est sans effet. Toute âme forgée en cette année 2024 contre ton embauche est sans effet. Contre l'obtention de tes papiers est sans effet. Contre l'obtention, la construction de ta maison, la réalisation de tes rêves est sans effet. Quiconque va s'asseoir pour travailler afin de te cacher, de cacher la lumière que Dieu a allumée en toi, la destinée que Dieu a allumée, la percée que Dieu a allumée, cette personne échouera au nom de Jésus-Christ. Cette personne échouera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta lumière est préservée de toute attaque au nom de Jésus.